Salut les Vapeurs, ça rage de retour, comment allez-vous bien? Samedi 17 octobre, 14h05 et 8 secondes, 2015 je précise. Un petit moment sans vidéo parce que je potassais méchamment le DNA 200, donc aujourd'hui revue matos sur une box DNA 200, en l'occurrence la Tugboat par Flawless, excellente petite box équipée donc du DNA 200, qui envoie le bois, chipset excellentissime, très complet pour les geeks, avec un logiciel très très complet, on peut paramétrer tout un tas de choses. Donc j'ai dû potasser ça, j'ai dû installer Windows sur mon Mac, ce qui m'a cassé les pieds. J'ai dû étudier tout ça, je l'ai depuis le VapExpo. Un peu avant le VapExpo, après le VapExpo, je sais même plus. Et j'ai traîné, mais il y a tellement de choses à étudier. Et comme vous savez, l'électro, c'est pas mon fort. Et vu que là on est sur un truc quand même hyper poussé, là Evolve a fait très très fort, vraiment. Je pense que c'est le, à date, c'est le chipset, c'est le pur chipset de la mort qui tue. Contrôle de température 200 watts, là je suis à 180 watts en power. Juste pour montrer un peu vite fait, c'est pas ma vape, hein. Mais c'est juste énorme avec le phénotype là, qui est fait pour ça clairement. Ça envoie méchamment. Donc déjà par avance je m'excuse de toutes les approximations que je vais faire dans cette vidéo qui risque d'être longue et un petit peu relou. Les erreurs de terme, la longueur, tout ça, pardonnez-moi, je le fais de tout mon cœur comme je disais, comme je crois avoir compris les choses et puis voilà. N'hésitez pas à en parler, c'est intéressant, le DNA 200 de toute façon c'est un peu les débuts, les balbutiements. A noter que tout ce qui sera dit dans cette vidéo sera relatif à cette box et aux réglages que Flawless a mis dans le DNA 200, aux réglages que moi j'ai mis, à la batterie LiPo que eux ils ont mis, donc il y aura peut-être quelques différences avec la vôtre puisque toutes les box équipées de ce chipset peuvent avoir de minimes différences quoi, au niveau réglage, au niveau autonomie, au niveau de qualité de LiPo, donc voilà. En tout cas, un grand merci à Bastien et Bertrand de la Licorne pour me l'avoir passé pour test et review. Super sympa les mecs, ça claque. Désolé d'avoir traîné, mais la voilà la review qui, je l'espère, sera complète autant que possible et vous apprendra un minimum à vous servir de ce chipset, à le comprendre et surtout le logiciel. Je vais essayer de shooter mon écran première fois également que je fais ça. Plutôt que de mettre la caméra vers l'écran, je vais essayer de shooter directement l'écran pour une meilleure qualité. J'ai installé un pointeur pour que vous voyez où je clique. Enfin bon, un petit peu chiant à préparer cette review. J'ai 12 pages de notes. Enfin bon, voilà. Heureusement, monsieur Phil Bussardo a sorti ces jours-ci 3 vidéos d'une heure chacune sur le DNA 200 et Scribe. Donc j'ai pu un petit peu confirmer tout ce que j'avais trouvé. J'ai rien appris de révolutionnaire en le matant. J'avais plus ou moins compris, mais ça me permet un peu de mieux digérer et de peut-être mieux ressortir tout ça quoi. Donc peut-être pas mal d'allusions à Bussardo dans cette review comme souvent, c'est un peu la référence quoi. Sur ce, on va arrêter de blabater, on va passer en gros plan pour parler d'abord de la box et puis on parlera du reste ensuite. C'est parti. Yes les Vapers, donc nous voilà en gros plan sur la box en elle-même qui arrive juste comme ça, sans rien. On est habitué maintenant avec Flawless. Il se dit qu'elle doit arriver bientôt, je ne sais pas quel batch, dans une boîte et avec un cordon USB, micro USB. Mais pour l'instant, elle arrive sans rien, sans cordon, sans boîte, sans rien du tout, quoi. Donc ils sont un petit peu relous chez Flawless, mais c'est comme ça. Donc de quoi il s'agit? Il s'agit d'une petite box électro en aluminium, a priori. Alors toujours pareil, j'ai demandé des infos...
Il n'accepte plus les MP, je sais pas si c'est les miens ou ceux de tout le monde sur Facebook. Mes mails sont restés sans réponse, donc les infos techniques seront à prendre avec des pincettes. En tout cas, box en alu, je pense, parce que très légère. On peut parler du poids tout de suite. Avec sa lipo, donc puisqu'on ne change pas la queue, elle fait 217 grammes, ce qui est relativement léger par rapport à par exemple une Exome avec ses deux accus qui en fait 247. Donc bien plus léger qu'une Exome. On voit que le finish est un Cerakote, hein, donc je pense que c'est les mêmes personnes qui font le Cerakote que ceux qui font le Cerakote sur les Exomes. Donc très joli Cerakote, peut-être un poil plus rugueux. Je pense que c'est l'alu qui n'est pas le même en dessous, j'en sais trop rien. En tout cas, c'est très beau. On voit que donc c'est des versions Splatted avec des taches, hein, comme c'est beaucoup la tendance en ce moment, surtout chez Flawless, mais pas que. On voit que c'est fait... assemblé, c'est-à-dire qu'il y a deux parties sur ce boîtier. On voit une rainure ici, c'est là qu'on ouvre en dévissant deux vis, et on voit que les taches suivent entre les deux parties, donc ça c'est plutôt sympa. On voit qu'ils ont essayé de les faire dans les coins, ce qui est plutôt joli. En tout cas, j'aime beaucoup toujours ce finish Cerakote, c'est très très chouette. On voit qu'on a un connecteur Fat Daddy, que j'imagine que c'est un Fat Daddy. Pareil, pas eu confirmation, mais il y a de grandes chances. Spring loaded, pas de soucis. Tout est flush, il dépasse pas de la box, contrairement à celui des Exomes qui dépasse un petit peu. On remarque que l'angle du connecteur n'est pas parfait, il est ni comme ça, ni à 45 degrés, il est un petit peu à l'arrache comme ça. En même temps, c'est pas super grave, moi je suis tatillon, j'aurais bien aimé l'avoir bien dans la diagonale, mais une fois qu'on a un ATO, franchement, on s'en tape complètement. Qu'est-ce qu'on peut dire? On peut parler des tailles. Au niveau des tailles, elle fait 97 de haut. Donc c'est contenu, parce que toujours en me référençant à la Exome elle fait 101 de haut, donc elle est moins haute qu'une Exome, légèrement, mais quand même notable. Elle fait 47 de large, alors que l'Exome en fait 51, donc ça c'est assez intéressant. Je ne sais pas si je vais réussir à montrer, mais il y a quand même 4 mm de moins en largeur, et en épaisseur elle fait 27 contre 26 pour l'Exome, donc ça reste quasiment pareil quoi. Au niveau de la prise en main, c'est vraiment très agréable. C'est une brique, hein, mais c'est sympa quoi. Putain, c'est dégueulasse ça. Pardon, excusez-moi. Donc voilà pour les tailles. Hop, si je bouge pas ma cam, c'est mieux. 97, 47, 27. Connecteur Fat Daddy, alu Cerakote, 217 grammes, écran OLED du DNA 200. Qui est sensiblement le même que le DNA 40, donc écran très très bien. Qu'est-ce que je peux vous raconter d'autre? Les gravures, donc les gravures Tugboat avec le bateau, très bien réalisé. Le F de Flawless ici, donc je pense que c'est fait au laser après le Cerakotage quoi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Tug Life, qui est le nom de la box a priori. Tug Life, j'ai dit Tugboat dans l'intro, mais c'est Tug Life, c'est la Tug Life de Flawless. Le petit USA, parce que les Américains peuvent pas s'en empêcher, mais ça me dérange pas. Gravure impeccable, hein, c'est smooth, on sent rien, c'est parfait. J'ai aucun pet sur mon Cerakote, hein. Le Cerakote ça a l'air de bien tenir. Peut-être un peu dans les angles là où on la pose. Et au niveau des gravures, ça prend un peu plus. Je sais pas si vous allez voir, j'ai une petite... Non, on voit pas, c'est très très bien. Donc voilà pour les gravures. Les boutons, alors c'est des boutons propriétaires, je pense qu'ils les font eux-mêmes. Qu'est-ce que c'est cette mise au point de merde? Boutons à mon avis du même métal. En forme de losange, donc comme leur logo. Même taille pour le fire, le moins, le plus. Ils sont flush, hein. J'étais un petit peu dubitatif au départ en me disant c'est quoi ces boutons. Ils dépassent un tout petit chou, là on le voit à peu près. Mais vraiment, un tout petit peu cliquy et super agréable, ça branle pas d'un pouce. Et c'est super, des super boutons à usage et aucun souci quoi. Le petit port micro USB donc ici pour la recharge. Et puis voilà quoi, les deux vis Allen. Pour l'ouvrir, alors je vais pas l'ouvrir en vidéo, mais je vais vous montrer des photos un peu plus tard. Donc voilà pour le tour rapide de la box. Qu'est-ce que j'aurais oublié?
Le DNA 200 va y revenir en long, en large et en travers, mais ça va de 1 watt à 200 watts, de 0,5 volts à 9 volts. Et puis voilà, 50 ampères avec 55 en pic, donc ça encaisse méchamment cette board. Il y a un fuse intégré dans le DNA en cas de souci, il y a un petit fuse qui pète, qu'a priori on ne peut pas changer soi-même, mais je pense qu'il y a moyen de le renvoyer en SAV pour changer le fuse. Et puis tout un tas d'options, ça change pas mal par rapport aux anciens DNA quand même. On va y revenir en long et en large et en travers. Comme je disais, on va parler de la lipo. Donc cette box là, elle contient une lipo de 1200 mAh en série, de 3 cellules en série. C'est-à-dire 1, 2, 3, 3 cellules de 1200 mAh. Donc on va parler de ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui lisent 1200 mAh, mAh, mAh comme vous voulez, milliampères heure. Qui se disent merde, ils sont habitués à des 18650 qui elles font 2005 voire 3000 mAh et ils se disent 1200 blablabla, ça va être la catastrophe au niveau autonomie. Il y a même des box DNA 200 qui sont à 900 mAh. Donc le problème du mAh, c'est que c'est pas une bonne unité dans l'idéal. Il faudrait que tous nos accus on en parle en watt-heure et non pas en milliampères, et donc il faut faire une conversion pour avoir une idée approximative de l'autonomie de ces lipos. Il y a deux façons. Il y a une façon noob où on se dit j'ai 3 fois 1200 mAh, donc j'ai 3600 mAh, sauf que le calcul est erroné, il n'est pas correct puisque c'est de la série, et en série on n'additionne pas les milliampères heure. Mais au final, ce calcul faux est plus ou moins correct parce que les lipos, contrairement à nos accus habituels, elles sont pas en 3,7 volts nominal, elles sont en 11,1 volts nominal. Et comme chacun sait, 3 fois 3,7, ça fait 11,1. Donc bon an mal an, si on fait le bête calcul, 1200 x 3, 3006, on reste plus ou moins correct. Mais je vais vous montrer tout ça tout de suite, en filmant mon écran, un petit laïus et une explication sur ces watts-heure. C'est parti. Donc les Vapers, nous voilà sur mon écran, j'espère que ça a marché correctement. J'ai repris ce tableau, celui de Bussardo, hein. Il a fait un petit tableau comme ça que j'ai trouvé sympa, que j'ai traduit et mis à ma sauce. Donc deux façons de calculer, on voit ici en haut la version noob, que lui a appelé la version easy et que j'ai appelé fausse mais vraie. Estimation de l'autonomie, 3 fois les mâts, puisque 3 cellules de 1200, 1200 x 3, 3600 mâts. Ok, on peut faire ce rapprochement grossièrement. Ce qui veut dire 3600 mAh, environ un accu 18650 et demi quoi. En gros, voilà, pas une dual 18650, on va dire une batterie et demi quoi, dans ce qu'on connaît d'habitude. Mais le bon calcul à faire, c'est le watt par heure. Watt heure correct mais fastidieux, j'ai dit. Et donc watt heure, c'est quoi? Un watt heure, c'est ce que peut envoyer la box à 1 watt pendant 1 heure. C'est-à-dire que si on a, je sais pas, si on a 1 watt heure, on peut rester appuyé sur le fire et ça enverra 1 watt pendant 1 heure. Évidemment, on ne va jamais à 1 watt, mais bon, c'est l'idée. Donc, pour calculer les watt-heure, il faut diviser les mâts par 1000. Pourquoi on divise par 1000? J'ai marqué ici. Divise par 1000 pour revenir en ampères, puisque mâts, c'est milliampères-heure. Et nous, on veut être en unité 1, quoi, ampères, puisqu'on multiplie ça à des volts. Et bref. Donc, on divise les mâts par 1000 et on multiplie par les volts. Donc, démonstration ici avec, tiens, c'est quoi? C'est la souris, ok. 1200, donc ma lipo dans cette box fait 1200 mAh, en tout cas elle est annoncée à 1200 mAh, divisé par 1000, fois 11,1, puisque les volts des lipos, je répète, c'est pas 3,7, mais 11,1, et ça nous donne 13,32 watt-heure. Donc cette box, avec cette lipo, peut envoyer 13,32 watt-heure, soit vaper à 13,32 watts pendant une heure non-stop en restant appuyé, même si c'est pas conseillé, c'est un peu le délire. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut vaper à 26,64 watts pendant 30 minutes et qu'on peut vaper à 52-53 watts pendant 15 minutes, etc. etc. Sachant que, évidemment, on vape par petite puff de 3, 4, 5 secondes, donc on vape relativement longtemps. Et pour comparer, pour démontrer que ce calcul correct équivaut à peu près au calcul noob, si on prend 3600 divisé par 1000 et qu'on multiplie par 3,7 volts, comme si c'était un accu 18650 qu'on connaît, ça nous donne également 13,32 watt-heure. Donc ça démontre bien que le calcul noob est correct, même si dans les faits il est faux.
mais on peut quand même faire ce raccourci. Moi personnellement, quand j'ai vu sur les fiches produits sur les shops qui multipliaient bêtement les mâts par 3, puisque c'était 3 cellules, mais je savais qu'en série on n'additionnait pas les mâts, je m'interrogeais, je me disais qu'il trompait le client. Grosso modo, c'est pas tromper le client, c'est simplifier la vie du client et lui dire plus ou moins l'équivalence par rapport à ce qu'ils connaissent au niveau des accus, quoi. Donc voilà, ce qui serait bien à l'avenir maintenant serait peut-être que même les accus 18650, au lieu de donner leur mât, c'est de donner leur water, quoi. Ce serait peut-être pas mal. Donc voilà pour cette explication. Je ne sais pas si elle est 100% correcte. En tout cas, je le crois. N'hésitez pas à me corriger si je dis des bêtises. Donc, ma box fait 13,32 watts. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut raconter d'autre comme ça? Ben, j'ai en profité d'être sur mon écran pour vous montrer le démontage de la box. J'avais fait des photos sur mon Facebook. J'espère que ça marche bien cette prise de vue. Donc les deux vis Allen qu'on dévisse, des vis assez longues, ok. Donc la box qui s'ouvre par ici là. J'aime pas avoir ma loupe là. Ça me fait chier. Voilà. Hop. Donc ça s'ouvre assez facilement. Ça résiste un petit peu puisque la lipo est assez épaisse. Hein. Hop, on sépare les deux. On voit tous les câbles ici qui sont assez propres, hein, assez bien enroulés, bien placés. On écarte gentiment. On l'ouvre comme ça. Si je virais ça, ça serait mieux. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit cette grosse lipo, donc ce gros pack lipo rectangulaire avec trois plaquettes l'une sur l'autre, entourées d'un plastique quelconque, avec les câbles ici. On voit le DNA 200 ici. Tout ça est très propre, il n'y a pas un pet de colle. On voit le câble ici là-haut pour le 510. Donc, en fait, c'est simple. Hein. Il y a un gros câble qui rejoint le 510. Il y a deux gros câbles, deux gros fils qui sont soudés à la board, plus et moins. Et plus une deuxième série avec un petit clip ici, un petit, je sais pas comment ça s'appelle, c'est pas un domino, mais enfin bon, on va voir ça sur la photo suivante. Non, une autre prise de vue. On voit que le DNA 200 était un chipset relativement long hein, par rapport aux anciens qui étaient peut-être la moitié de la taille. Parce qu'il y a beaucoup plus de choses qu'avant, il est beaucoup plus complexe. J'ai vu qu'il avait une capacité de refroidissement beaucoup plus importante que les précédents. D'ailleurs, la limite du message d'alerte tout haute, je crois qu'il est à 93 degrés, quelque chose comme ça. Donc plus haut que sur les box, on a l'habitude d'avoir du 70-80 degrés. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre comme prise de vue? Un peu plus près ici, sur la board. Bon, moi, ça me parle pas trop, mais voilà. Alors, c'est quoi la suivante? C'est ça. DNA 200, donc on voit cette lipo est soudée sur la board, donc pour la changer, parce que la lipo ça a une durée de vie, je sais pas de combien, mais au bout d'un moment ça change, donc soit faudra jouer de la soudure, mais en même temps c'est pas de la soudure de malade, hein, c'est deux fils à souder sur le plus et sur le moins quoi, et puis les autres fils ça se plug ici simplement. Il y a des DNA où on peut juste débrancher la lipo et la changer, ici ils ont choisi, je sais pas pourquoi, de la souder à la board. Bon, c'est comme ça. Et là-haut, on voit le ground ou le out jusqu'au connecteur. Photo suivante, gros plan sur la lipo qu'ils ont choisi. Donc, c'est une full IMAX. J'y connais rien en lipo. Lipo batterie High Power Series 30C, donc 30 ampères, si je dis pas de bêtises. 1200 mAh, on arrive à lire difficilement 11,1 volts. Donc, oui, ces lipos font 11,1 volts nominal, comme nos batteries habituelles font 3,7. Mais full charge, elles sont à 12,6 volts, comme les nôtres font 4,2. D'ailleurs, ça se vérifie toujours, 4,2 x 3 égale 12,6. Donc on reste cohérent. 13,3 watt-heure, ils annoncent eux. Alors qu'avec mon calcul, j'ai trouvé 13,32, donc c'est correct. C'est indiqué sur la lipo. Continuous 30C, burst 60C. Voilà. Donc ampérage maxi en continu 30 ampères et en pic 60 ampères quoi. Donc c'est quand même des accus. D'ailleurs c'est des accus qui envoient très très fort, qui encaissent très très fort. Et a priori c'est quand même une technologie relativement safe, même s'il faut savoir ce qu'on fait et que s'il y a un souci c'est un peu embêtant, mais normalement ça marche très très bien. Must read safety instruction and warning before use. Donc ça veut dire veuillez lire les instructions de sécurité et de warning avant d'utiliser quoi.
un gros plan sur le connecteur là-haut. Les soudures, j'y connais rien, mais elles m'ont l'air propres. Et j'avais une autre photo que j'aurais voulu montrer que j'ai pas dû ouvrir. Que je vais essayer d'ouvrir. Où est-ce que c'est? Photo démontage. Ouais, je l'ai pas cette photo. Bon, bah, je l'ai pas. Tant pis, il y avait tout, au dos de la lipo, il y a tout un blabla. Un autocollant avec un long texte à lire, mais on s'en fout un petit peu. Donc voilà pour la lipo, pour les water. J'espère que ça aura été plus ou moins clair. Bon an, mal an, on a un AQ 18650 et demi. On va y revenir, on va repasser tout de suite sur ma... Donc les Vapers, vous avez vu le calcul, j'espère que ça a été plus ou moins clair. Vous sentez comme je suis un petit peu insécure avec tout ça. En tout cas, avec cette box, avec les AQ en 1200 ma, on obtient 13,32 watts, ce qui veut dire qu'on peut vaper une heure à 13,32 watts. Sachant qu'on fait des petites puffs de 4-5 secondes, moi je fais des puffs courtes de 3-4 secondes. Faisons un calcul rapide, si c'est 13,32 watts pendant une heure, c'est on va dire 13 pour simplifier, ça veut dire 26 watts pendant 30 minutes, ça veut dire 52 watts pendant 15 minutes, 52 watts, c'est une vape correcte pour beaucoup de gens. Ça aussi c'est un truc, c'est pas parce que ça s'appelle DNA 200 que c'est fait pour vaper à 200 quoi, c'est fait pour vaper sur n'importe quoi, on peut très bien vaper là-dessus avec un Clyro à 25 watts, avec ce qu'on veut en fait, on fait ce qu'on veut. Évidemment, si on va pas 200 watts, on va tenir 15 minutes quoi. Bussardo a dit qu'il a réussi à vider la queue de je sais plus quelle box, je sais plus combien de mâts, en 4 minutes en étant à 200 watts. Mais même 4 minutes, parce qu'on fait des puffs de 3-4 secondes, combien il y a de puffs de 3-4 secondes dans 4 minutes? Faisons un petit calcul rapide. Si on part sur des puffs de 5 secondes pour simplifier, sachant qu'une puff de 5 secondes ça me paraît long. Combien il y a de puffs de 60 secondes, de 5 secondes dans 1 minute? Il y en a 12. Si on va 4 minutes, dans l'exemple de Bussardo, ça fait quand même 48 puffs. 48 puffs, ça fait une heure, presque une heure. En admettant qu'on fait une puff toutes les minutes, à 200 watts, une heure, bon, c'est pas énorme, mais 200 watts quand même, quoi. Bon, bref, tout ça est plutôt théorique. Ça dépend tellement de vos watts, de vos ohms également, même si on dit... Alors, il y a ça aussi. Moi, je suis convaincu... J'étais convaincu au début de ma vape que même sur électro, plus les ohms étaient bas, on va en parler vite fait, ça m'intéresse, on va en parler en dessous si vous voulez bien, sur électro comme sur méca, plus les ohms étaient bas, plus on perdait en autonomie. Puis j'avais étudié ça maintenant il y a plusieurs mois sur les forums, il y avait des débats enflammés, comme quoi sur électro, quels que soient les ohms, l'autonomie ne changeait absolument pas. Ceci est démontré par des calculs savants, etc. Logiquement sur électro, les ohms n'influent pas du tout sur l'autonomie. En tout cas dans les calculs de ma, d'ampérage, de volts et de machin, les résultats sont identiques. Sauf qu'il y a quand même des notions de chauffe, l'AQ qui chauffe c'est de l'énergie. Donc plus on est bas en ohm, plus ça chauffe, plus on a une perte d'autonomie quand même quoi. Mais c'est pas des simples maths à diviser l'autonomie par deux avec un coil moitié moindre. Enfin bref, ça c'est un autre truc. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, autre chose à noter sur l'autonomie. Déjà, c'est du 11,1 volts nominal. Ok, ça veut dire que ce chipset régule uniquement vers le bas. Il n'envoie pas... Enfin, est-ce qu'on peut envoyer 11,1? Non, on n'envoie pas 1, puisqu'il est limité à 9 volts. On n'envoie jamais 11,1 volts. Et on envoie souvent beaucoup moins. On envoie dans les 3-4 volts, comme sur un mode normal. Ça veut dire que ça régule vers le bas. Et a priori, la régulation vers le bas pompe beaucoup moins sur les accus que le boost. Quand on a des accus de 3,7 volts, souvent on booste, on demande plus à l'accu que ce qu'il peut fournir. Et le boost influerait sur l'autonomie beaucoup plus que la régulation vers le bas. Donc il y a ça à noter également au niveau de l'autonomie. Qu'est-ce que j'avais noté d'autre à ce niveau-là? À noter également que la courbe de décharge des lipos, qui
qui sont des accus différents de ce qu'on connaît, est beaucoup plus régulière et soft que la courbe de décharge de nos accus qui a tendance à chuter très vite de 4-2 à 3-7, rester à 3-7, puis rechuter vers la fin. Alors que Lilipo, 12-6, ça chute, mais ça jusqu'à 11-1, et puis ça reste à 11-1 longtemps. Et la courbe est très très régulière et plutôt smooth par rapport à ce qu'on connaît. J'ai cru comprendre ça également. Donc tout ça pour dire que, il y a d'autres trucs à dire très importants à faire dans les scrims quand vous recevez une de ces boxes. J'en parlerai plus tard. Tout ça pour dire que ne vous affolez pas quand vous voyez 900 mâts, 1200 mâts. Moi j'ai fait des tests, l'autonomie est plus que correcte. Là je suis à 150 watts sur un phénotype, donc forcément, forcément quoi, ça sera pas génial. J'en sais rien, une heure, deux heures, j'en sais rien. Par contre, j'ai fait des tests avant-hier avec le l'Aromamizer 3 ml en dual coil à 0,3-0,4 ohms et je l'ai vapé à 50 watts toute la journée. J'ai vidé, j'ai même pas fini le test tellement que l'autonomie était bonne pour moi, excellente même. J'ai vidé 6 ml, c'est-à-dire deux fois le tank plein et j'étais encore à 50% d'autonomie. Ça veut dire que je suis parti du principe qu'à 50 watts avec cette lipo 1200 mAh, pareil, il doit y avoir lipo et lipo, donc attention à ce que vous disent les gens, ça dépend de la qualité de la lipo, peut-être la qualité des soudures également, et la conductivité du mode, ça dépend de plein de trucs. En tout cas, sur celle-ci, à 50 watts, sur un dual coil à 0,3-0,4, j'ai vidé 6 ml et j'étais à 50%, ça veut dire que j'aurais pu vider 12 ml sans recharger la cul, ce qui est, qui est énorme, finalement, à 50 watts. J'étais même épaté moi-même. Donc, on va dire grossièrement qu'avec une 1200 mAh lipo, on peut vider facile 10 ml à 50 watts. Ça veut dire qu'on en videra plus à 30 watts, etc. On en videra moins au-dessus, etc. Donc ça, c'est à noter. C'est un test que j'ai fait, c'est certain. C'est vérifié. J'ai même été étonné moi-même. Puisque à réception, un gros truc qui m'a refroidi, c'était l'autonomie. Ceci dit, gros conseil que je vous donne, quand vous recevez une DNA 200, faites pas comme moi ou comme sûrement beaucoup. Les premiers jours, j'ai mis des drippers de fou et j'ai vapé très fort. Et là, l'autonomie, je me disais, putain, c'est pas possible, quoi. Et je la rebranchais, je la rechargeais très souvent. Donc, ne vous laissez pas influencer par le chiffre DNA 200 watts. Vapez comme vous avez l'habitude de vaper. À la limite, essayez de vaper à 50 watts pour vous faire une idée sur l'autonomie. Ensuite, on va faire maintenant une grosse partie sur le logiciel PC Xscribe où je vais vous montrer les premières choses à faire à réception qui sont très importantes, notamment un check des véritables watts capables de délivrer cette lipo et un chiffre à modifier dans Xscribe et à injecter dans le chipset pour que la jauge d'autonomie... Je ne vous ai pas parlé de l'écran également encore, mais tout ça sera lié à Xscribe, donc on va y revenir. La jauge, un chiffre à modifier donc, en dur dans le chipset pour que cette jauge soit beaucoup plus réelle par rapport à ce qu'on consomme. Et du coup, une fois que j'ai modifié moi ce chiffre dans Xscribe, j'ai constaté, alors est-ce que c'est psychologique? A priori, c'est juste la jauge qui est meilleure. Mais du coup, psychologiquement, on la voit moins descendre vite et on a une meilleure appréciation de l'autonomie réelle, quoi. Ce que je voulais dire également, c'est que pour comparer l'hypo et les accus qu'on connaît, donc nos accus qu'on connaît de 4-2 et en général le cut est vers 3-2, on va dire. Donc ça fait une marge de 1 volt, quoi. Enfin, je sais pas si c'est correct de dire ça. Alors que c'est l'hypo, c'est de 12-6 et le cut est à 3 volts également. Donc entre 12-6 et 3 volts, il y a une marge énorme. Donc il y a ça, plus la courbe, plus la régule vers le bas, plus la courbe de décharge plus lente que sur nos accus. Est-ce que tout ça est lié au fait qu'on parte de 12,6 à 3 volts? J'en sais rien. En tout cas, ne vous affolez pas sur l'autonomie, c'est surtout là-dessus que je veux pointer le doigt. On va passer tout de suite sur Xscribe, ça va être un gros morceau, je sais pas du tout comment je vais faire, mais on va y arriver. C'est parti. Un petit tour sur l'écran, vite fait, avant de passer sur l'écran et sur Xscribe. Juste vous montrer vite fait l'écran. Donc écran tout à fait classique hein, de DNA. La charge d'accu ici, hein, la petite jauge d'accu. Les watts. Alors par défaut, chaque fabricant pourra mettre ce qu'il veut sur les trois données ici. En l'occurrence, moi j'ai les ohms, les volts et la charge d'accu. Par défaut, le troisième champ, c'est la température pour le contrôle de température. Mais moi j'ai préféré mettre les pourcentages d'accu. Sachant qu'on peut absolument mettre ce qu'on veut en 1, en 2 et en 3. Que ce soit
en mode allumé ou en mode charge, où on peut mettre carrément trois données différentes, mais je vais montrer tout ça dans eScrim. Un truc intéressant à savoir, c'est que cette box a un système de balance charging pour les lipos. Il faut un système de recharge particulier qui charge bien les cellules par les deux bouts. J'y connais trop rien, mais le DNA 200 est prévu pour ça, donc pas de souci pour charger les lipos en USB. D'ailleurs, on va montrer ça tout de suite. Un truc important à noter, c'est que ce chipset encaisse les 1 A à la charge. Alors, on va voir que dès que ça va passer en veille, les infos sur l'écran vont changer. Mes ohms vont devenir les ampères. Donc là, je suis branché sur mon Mac en USB. On voit que je recharge à 0,5 A, en l'occurrence 0,48, mais ça fluctue toujours un petit peu. A noter que sur ordi, les charges, en général, il y a peut-être des ordi qui chargent à 1 A. Moi, je ne sais pas, j'en ai pas. En tout cas, les Mac, c'est 0,5 via USB. Donc évidemment, si on charge à 0,5, ce sera plus long que si on charge sur secteur, un adaptateur secteur, où là, on charge à 1 A. Exemple, ici, je prends mon petit chargeur qui, lui, est 2 A, mais on s'en fout, c'est la box qui régule. Un chargeur d'iPad à 2 A. J'y plug un câble. Je mets ça sur le secteur. Et là, si je branche sur secteur, vous allez voir tout de suite la différence. On attend que ça passe en veille. Allô. Pourquoi ça? Ah bah oui, si j'allumais la prise multiple, ça marcherait beaucoup mieux forcément. Et la mise au point sur cet écran OLED, c'est pas ça. Hein. Hop, et voilà, vous voyez, là je suis sur secteur et je suis à 0,99 A. Donc en gros, je vais charger deux fois plus vite que sur ordinateur, quoi. Donc ça, c'est à noter. À noter également qu'on peut vaper pendant que ça recharge. Après, je suis pas sûr que sur l'hypo, ça soit la meilleure idée. Je sais pas, j'ai pas trop étudié la question. En tout cas, ça marche et je l'ai fait. Et ça me fait pas plus flipper que ça. Donc en recharge, on voit que donc les infos changent ici. On peut également mettre en 1, en 2 et en 3 les trois cellules, voir leur niveau de charge indépendamment. Très important de vérifier de temps en temps via eScrim que les trois cellules sont bien chargées à équivalence. Mais on essaiera de reparler de tout ça si j'oublie rien. À noter que ce DNA, j'avais noté un truc, ce DNA embarque également une battery monitoring. Cell by cell battery monitoring, ça veut dire qu'il a quand même une grosse sécurité au niveau de la charge de lipo. Encore une fois, la charge de lipo, c'est assez sensible. Donc il vérifie en permanence que les trois cellules, qu'il n'y ait pas une cellule qui soit très basse par rapport aux autres. Moi, jusque-là, à chaque fois que j'ai vérifié, les trois cellules, l'huile était exactement chargée pareil. Donc pas de souci là-dessus. Et qu'est-ce que j'ai marqué également? Ouais, mais ça, je l'ai dit. Donc, chargement balance, je sais pas comment c'est en français, le balance charging. Sinon, vite fait, des trucs que j'aurais oublié, c'est les limites de coil qu'on peut y coller. Alors, il n'y a pas vraiment de limite, puisque il y a les contrôles de température, donc on peut descendre très bas en ohm. Mais en power, ce chipset, vu qu'il est limité à 9 volts, pardon, et à 50 A, on aura les full 200 watts entre 0,08 ohm et 0,41 ohm. Ok, pour avoir vraiment 200 watts, sachant que personne ne va pas 200 watts, hein. Enfin en tout cas à part des psychos. Sous les 0,08, ce qui est déjà très bas, vous n'aurez pas les 200 A, vous aurez moins à cause de la limite à 50 A du chipset. Et au-dessus de 0,41 ohm, vous n'aurez pas les 200 watts à cause de la limitation à 9 volts. Donc à savoir quoi. Mais en gros, je pense que les 100 watts avec n'importe quel coil, on doit les obtenir. Peut-être une connerie. Et en contrôle de température, encore pire, si on veut les 200 watts, sachant que là, qui va vaper en contrôle de température à 200 watts, c'est pareil, je me demande. Il faut avoir 0,04, entre 0,04 et 0,2 pour avoir les full 200 watts. Mais on s'en fout, j'ai marqué sur ma note. Donc voilà, je pense que cette box accepte des coils de 0,0000, je sais pas quoi. Mais on s'en fout, elle acceptera tous vos coils. Juste à noter qu'il y aura une certaine limitation si vous tenez absolument à avoir les 200 watts, quoi. Mais je pense pas que ça perturbe quiconque, en fait. Sinon, chipset qui embarque tout un tas de protections, des messages d'erreur, check atomizer quand il y a un souci shorted, quand il y a un court-circuit, weak battery... Quand il y a un souci avec la batterie, qu'il faut la recharger,
ou qui a un autre problème, ou qu'elle ne peut pas envoyer ce qu'on lui demande en fonction de la charge d'accu. Le Tomb Protected, donc il y a 93, je pense que c'est des... Le Too Hot, pardon, je pense que c'est 200 degrés, ça va être des Fahrenheit, donc ça doit être 93 degrés Celsius. On a le message quand on est en contrôle de température, toujours l'éternel message qui perturbe les débutants en contrôle de température. Tomb Protected, mais quand ça marque Tomb Protected, c'est pas grave, ça continue de vaper, tu t'en fous. Ça veut juste dire qu'il régule vers le bas pour pas dépasser la limite qu'on lui a donnée. Message home to haut, home to high, home to low, voilà quoi. Tous les messages d'erreur habituels. Est-ce que je vais vous parler tout de suite des petits raccourcis qu'on a sur la box? Ouais, je vais vous faire ça maintenant. Ça sera fait. Par contre, je suis pas content de la mise au point et de la qualité de l'écran en shoot là. Et c'est mieux quand ça fade un petit peu. Alors peut-être j'aurais dû. Allez, je vais faire ça vite fait. Vous m'en voudrez pas. Je vais lancer eScribe et je vais baisser la luminosité de l'écran. Donc vous voyez, hein, c'est vraiment, il y a énormément de choses à dire, énormément de choses à digérer. Et encore, on n'a pas fait le tour du logiciel qui est le pur truc. Allez, lance-toi Windows. Oui, il y a encore des gens qui disent Windows, oui. Je confirme. Alors, pour ça, il faut que je plug ma box. Vas-y, copain. Alors, ça doit être dans... Ok, vas-y. Téléchargement des paramètres. Donc, cette box sauvegarde tous ses réglages en interne. Et à chaque fois qu'on la plug à Xtreme, elle va balancer nos réglages dans le logiciel. Alors, luminosité. Augmenter luminosité pendant Fire. On va mettre, voir, peut-être 50%. Je vais mettre 50%, on va voir ce que ça donne. Ça devrait être mieux pour shooter. J'envoie les paramètres vers le chipset, du coup, hop. Upload setting. Tug Life, va pas à l'arrache. Donc on peut customiser ces écrans. Hein. Je vais vous parler de ça également. Ce qui serait intelligent, c'est également, pour pas me faire chier avec ce câble, que je change l'orientation de l'écran qui n'est plus changeable par raccourci sur la box. Obligé de faire ça via le logiciel. Ils ont dû faire des sacrifices vu toutes les options. Tout n'est pas disponible en raccourci. Voilà, ça sera beaucoup mieux. Le câble me gênera moins. Est-ce que c'est mieux 50%? C'est un peu mieux, mais je vais baisser encore un peu. Allez. Ah, j'aurais pu sucrer cette partie, mais on s'en fout. On est bien, hein? On est bien. Voilà, c'est un petit peu mieux là, j'ai l'impression. On va rester comme ça. Donc, les raccourcis. Aucun raccourci quand on n'est pas loqué. Je vais mettre un ATO. Qu'est-ce que je vais lui mettre? Déjà, je ne vais pas rester à 150 watts, sinon je vais avoir des problèmes. Défilement, hein, très rapide. A priori, il y a une mise à jour qui arrive bientôt du logiciel où on pourra régler la vitesse de défilement au réglage des watts et l'incrément également, 0,5 ou 1 watt, etc. On a vu ça chez Bussardo qui a une bêta de la prochaine version. Bref, les raccourcis. Aucun raccourci quand on est allumé, qu'on peut firer en faisant les boutons, il se passe rien, il n'y a aucun raccourci à ce niveau-là. 1, 2, 3 pour loquer, par défaut c'est 5, moi j'ai mis 3. On voit, j'ai remplacé ma fenêtre 3 clics to lock par mes petits logos pour faire des essais vite fait. Donc là je suis loqué. On peut vraiment remplacer tous les écrans, les messages, etc. 1, 2, 3, on lock, on délock. 5 par défaut, je le rappelle. Je pense que toutes les box par défaut sont sur 5. Moi, j'ai mis 3. On verrouille. Qu'est-ce qu'on a? Une fois qu'on est verrouillé, on peut faire Fire et plus pour locker les ohms. Ok, ça, c'est valable. On voit le petit cadenas qui vient se mettre là. On contrôle la température. Fire et plus à nouveau pour unlock les ohms. Ça l'a pas fait. Faut attendre. Voilà. Ok, Fire et moins. Normal mode. Still small, c'est toujours 1, 2, 3.
Stealth mode, le mode discret, l'écran s'allume pas quand on fire, mais ça marche. 1, 2, 3, je reverrouille. Plus, moins, pour repasser en normal mode. Ok. Je reverrouille. Enverrouiller toujours. Plus, moins et plus en même temps, un petit moment. Pour changer la température, donc en contrôle de température. Là, je suis sur off puisque je suis en power. La façon de passer de power à contrôle de température, eh ben, c'est juste quand on a donné une valeur de température, on est en contrôle de température. Donc en Celsius, de 300. Ah, je sais pas. De 300. Ah, vas-y, j'ai jamais compris pourquoi quand on passe de l'un à l'autre. En Fahrenheit de 600, je vais me faire baiser encore. Bref, 300 à 200 sûrement, quelque chose, 185, 175. Franchement, je m'en tape un peu du contrôle de température, même si j'y viens doucement. 100 Celsius, 100 Celsius à 300 Celsius. Et 600 Fahrenheit à 200 Fahrenheit, on dirait. Et donc, quand on veut quitter le mode contrôle de température, on monte en fin de, soit en fin de Celsius, soit en fin de Fahrenheit pour se mettre sur off. Et on est en power. Ok. Donc là, je vais rester sur off. 3, 4, 5, je déverrouille. Et je suis en power à nouveau. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme raccourci ? Si quand on est déloqué, qu'on peut firer, qu'on maintient le moins et le plus, on a le power lock, c'est à dire qu'on peut plus modifier, merde, on peut plus modifier ses watts, mais on peut firer. Et c'est également là qu'on peut choisir ses profils, puisqu'on a 8 profils différents qu'on peut paramétrer. 8 profils pour 8 ZATO ou 8 VAP différentes. Une vape en power, une vape en contrôle de température, une vape à 50 watts, on peut faire plein de réglages, on verra ça. Et donc quand on est en power lock, donc je répète power lock, on peut firer, mais on est resté appuyé sur moins et plus pour être en power lock. Une fois qu'on est en power lock, on fait deux clics sur le moins ou sur le plus, 1, 2, et on arrive dans les profils. Donc profil 1 que j'ai appelé basique où il n'y a aucun réglage, profil 2 de test, je ne sais plus ce que j'ai mis, profil 3, contrôle de température velocity, j'ai appelé. Donc vous voyez, on peut appeler ces profils comme on veut. On peut également allouer une image, un écran à ces profils, genre un logo de la marque de l'ATO, n'importe quoi. Et on en a 8 comme ça, 8 profils différents. Donc pour l'instant, je vais rester sur le 1 basique. On valide avec Fire, et puis ensuite on sort du power lock en restant appuyé sur plus et moins pour pouvoir remodifier ses watts à loisir. Donc voilà tous les raccourcis qu'on a sur la box en physique. Voilà, je crois que c'est tout avant de passer au logiciel. Lock résistance, oui, à savoir que cette board, comme le DNA 40 si j'ai bien compris, on peut donc locker sa résistance comme je vous l'ai montré avec le raccourci Fire Plus quand on est verrouillé. Mais le DNA embarque un check permanent de la résistance. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'il conseille de ne pas loquer sa résistance. Si on a un ATO plutôt constant au niveau de la résistance, j'ai l'impression qu'il conseille de ne pas la loquer et de laisser le DNA faire. C'est-à-dire qu'il check en permanence la résistance. Et si il note une différence, il va se recaler sur cette nouvelle résistance. Et ce, en permanence. J'ai pas bien compris cette idée, mais j'ai l'impression que c'est un peu comme ça. Sinon, pareil, il va demander New Coil, Same Coil, sachant qu'il le demande seulement si la différence de coil qu'il note est inférieure à 25% par défaut, donc relativement proche de la résistance précédente. Si la différence est au-delà de 25%, il va la changer de lui-même automatiquement. Mais ça, pareil, ça se règle si on veut dans eScribe. Donc voilà, j'ai fait le tour. On va passer maintenant sur le logiciel eScribe et ça va durer un bail. C'est parti. Donc les Vapers, de retour sur mon écran. Première chose à faire, aller télécharger sur Evolve. Evolve dans Google. Évitez de passer par les liens donnés par les sites
Je sais pas, allez plutôt sur Google, première réponse, Evol Inc. Home. Tac. DNA 200. Vous retrouvez plein de choses intéressantes sur ce site, les specs du chipset, avec les datasheets, un forum pléthorique avec plein d'infos. Niveau des accus, l'IPO qui conseille, donc eux conseillent a priori une 900 MA, j'ai pas lu, hein, j'en sais rien. Mais ils conseilleraient la Full IMAX 900 MA, donc à voir. Tac tac tac. Sachant que chaque box DNA 200 a une IPO différente. Iscribe Software, on y arrive, donc click here to download Iscribe. Il y a tout un truc interactif très très bien fichu, soit en vidéo, soit en didacticiel où on doit rentrer des données pour expliquer pas à pas tout le logiciel Iscribe. Je conseille de le faire, c'est en anglais, mais pour ceux qui comprennent l'anglais ou en tout cas qui arrivent plus ou moins à comprendre, allez là-dessus, c'est très très bien. Un user manual très complet et un forum très complet. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a toutes les techniques, les plans du chip, etc. On a tout ce qu'il faut pour les modeurs, pour les vapers, il y en a plus qu'il n'en faut. Donc, click here to download Iscribe. Et puis, bon, je ne vais pas vous faire l'installation parce que déjà, il n'y a pas de version Mac. Il y a une version Mac qui est prévue. Brandon Devolve m'a dit d'ici la fin de l'année. Je crois qu'ils ont un peu de retard d'après Bussardo, mais ça arrivera. Une belle application Macintosh pour Iscribe. Pour l'instant, on est obligé de passer par PC. Donc moi, ben, j'ai été pirater un petit Windows 7 et un petit parallèle desktop. Hein. Je ne me suis pas fait chier. Ça a marché très bien, très simple d'installation. Mac user, n'hésitez pas à demander. C'est vraiment simplissime. Quoi. J'étais très inquiet. Je connais absolument rien à Windows. Mais voilà, ça marche très très bien. Donc, ben, on va lancer Windows. J'ai un petit raccourci Iscribe sur mon bureau Mac. Ce qu'on va faire... On va faire éléments récents, on va faire Windows 7 et c'est parti. Attention les yeux, ça pique. Wouhou! Waouh, trop classe. Donc petit raccourci, vous savez installer un exe, hein. Je vais pas vous montrer l'install. Donc je lance Iscribe. Voilà, le joli logiciel Iscribe. Je vais passer en mode cohérence pour pas avoir ce fond absolument horrible. Voilà, cohérence, c'est magnifique ça. Je vais mettre ça dans le cadre correctement. Et nous y voilà. Donc quand vous lancerez Iscribe pour la première fois, si vous aurez forcément la nouvelle version... la dernière version, mais s'il y a une nouvelle version du logiciel disponible, il y aura un cadre en bas ici, par là, là, avec marqué nouvelle version du logiciel disponible, voulez-vous le télécharger, yes, no, à droite, vous cliquez, en toute transparence, ça télécharge, ça installe la dernière version, idem, alors, ensuite, on va plugger sur micro USB sa box, bim. Alors là, il me dit de choisir Mac ou PC, forcément, puisque j'ai les deux sur la même. Hop, Windows. Il bouit la box et il t'affiche à connecter. Alors oui, à noter que là, vous allez voir un Iscribe traduit en français entièrement. Cette traduction n'est pas disponible par défaut. C'est l'ami Raphaël. Merci beaucoup à toi, Raphaël, pour ton super taf qui s'est fait chier à traduire tout le logiciel quasiment. Pas entièrement, mais presque. C'est très simple, il suffit de remplacer un fichier et on a le Iscribe en français. N'hésitez pas à me demander ou à aller voir sur le forum qu'il a créé sur Facebook, DNA200, je ne sais plus le nom exact du forum, mais je vais vous dire ça tout de suite. Pas du forum, du groupe. DNA200 France, tout simplement. Raphaël, qui est aussi reviewer sur YouTube, SBINVAP, je crois, sa chaîne. Très sympa, on a pas mal discuté, on a un petit peu découvert tout ça ensemble. Donc merci pour la traduction, ça c'est fait. Donc équipement, bah voilà, c'est celle-là, on fait OK. On peut renommer ici, si je veux changer le nom, d'ailleurs je vais le faire. Je vais dire Arash Thug Life. Voilà, on peut renommer sa box ici, comme ça si on en a plusieurs, elles ont chacun un nom différent, ce qui est quand même intéressant. Hop, et puis on fait OK.
et là téléchargement des paramètres. Donc là, il déverse dans le logiciel tout ce qui est dans la box. Par exemple, si vous avez paramétré votre box sur un autre ordi, ce qui est mon cas, moi je l'ai paramétré sur mon portable, là je suis sur ma tour, du coup il rebalance dans le logiciel tout ce que j'ai dans le logiciel et dans ma box rapport à mon portable quoi. Bref, pas très clair mais je me comprends. Donc on arrive sur un logiciel somme toute sommaire, au design somme toute windowsien, mais voilà. Alors est-ce qu'on va... je vais essayer de montrer un maximum de choses, mais je vais pas rentrer dans le détail autant que Bussardo. Sa vidéo fait 3 heures, la mienne, je sais pas, elle doit pas être loin de l'heure déjà. Donc on va faire vite. Fichier. Alors si, je vais commencer par les premières choses à faire quand vous recevez votre box du vendeur. Avant de bidouiller dans Xscribe ou quoi que ce soit, je vous conseille... premièrement, de faire fichier sauver. Vous faites fichier sauver, ça fait des fichiers .icig ici. Je sais pas si vous voyez... et donc vous l'appelez box par défaut quoi, par exemple, peu importe, vous donnez un nom pour avoir enregistré quelque part la box d'usine, enfin pas d'usine d'ailleurs, c'est pas le DNA d'usine, c'est le DNA tel que le modeur qui l'a mis dans la box l'a paramétré. Ça peut être intéressant de garder cette chose là dans un coin de l'ordi, parce que par derrière on va bidouiller, on va faire plein de trucs et on risque de, à force de bidouiller trop vite, de perdre les logos par exemple d'accueil qu'il a mis le mec, parce que si on refait, on peut faire quelque part dans la restaurer par défaut ici. Vous voyez, si on fait restaurer par défaut, on va récupérer le DNA par défaut je pense, et pas le DNA tel que le modeur de la box l'a paramétré. Donc première chose, fichier, faites un sauver. Vous avez comme ça deux côtés, appelez-le bien d'une façon reconnaissable. Box à réception par exemple, et puis vous faites ça. Okay. Donc dans fichier, bon, on peut ouvrir par exemple, voilà, on sauve un truc et puis on peut le charger en faisant ouvrir. Sauver comme, voilà, c'est pour choisir save as quoi. Nouveau, éditer, pomme Z, contrôle Z, contrôle Y pour si on fait une action qu'on regrette. Internet, se connecter, bon, on s'en fout. Vérifier les mises à jour automatiques, donc ça je le laisse cocher. Par défaut c'était coché, c'est très bien. A chaque fois qu'on lance Xscribe, il vous dit s'il y a une nouvelle version d'Xscribe ou une nouvelle version du chipset pour la box. Pour la nouvelle version du chipset pour la box, c'est une ligne qui va se trouver en haut ici en bleu. New firmware is available for your box, voulez-vous le download? Donc c'est très visible, enfin c'est pas très visible mais c'est visible. Donc pensez à regarder par là, je sais plus si c'est ici ou ici. En tout cas, il vous en informe, ça c'est très bien. Option, fermer le fichier récent, on s'en fout. Les outils, on a une petite calculatrice intégrée. On s'en tape un petit calculateur. On a tout un tas de trucs, utilitaire de protection, terminal, information système. Rebooter le système, ça peut être intéressant en cas de... Si on brique sa box, qu'elle ne veut plus rien savoir. Reboot soft, c'est pour rebooter le chipset. Reboot hard, je ne sais pas. Je ne sais pas trop, je ne sais plus ce qu'a dit l'ami Bussardo. Bref, intéressant. Le numéro de série de la box. Ok. On s'en fout. Mettre le firmware à jour. Bon, on s'en fout. Aide. Site web. Rapporter un bug. Envoyer un feedback. À propos d'Xscribe, sachant que la version actuelle, c'est le 1.0.32. Ok, ça, c'est les trucs là-haut. On s'en fout. Se connecter et télécharger les paramètres. Donc ça, c'est fait. Ça, c'est fait quand on connecte la box. Envoyer les paramètres vers le chipset. Tout ce qu'on va modifier dans Xscribe ne sera dans la box qu'à partir du moment où on fera ça. Si on fait des changements et qu'on débranche sa box, eh ben, tout ce qu'on a fait n'aura servi à rien. Moniteur d'activité, très intéressant, on y reviendra. On va en parler. C'est un espèce d'oscilloscope en temps réel de la box, où on peut tout voir sur des courbes, quand on fire, la température, enfin on verra ça plus tard. Déconnexion pour déconnecter sa box, sachant que je le fais pas, moi je la débranche simplement une fois que j'ai envoyé les paramètres. Ici je sais pas trop, pomme Z ici, contrôle Z, contrôle Y, hop, connecté en USB. Ok, donc ça c'est les trucs basiques du logiciel en haut. Ok, ensuite on a 5 onglets: général, thème, écran, mode, recherche. Alors déjà le recherche on n'en parlera pas parce que c'est des trucs très pointus. Il y a quelques zones dans ce logiciel dans lesquelles vous n'aurez rien à faire, qui sont plus là pour les modeurs quand ils paramètrent la box avec le DNA, ou qui sont pour vraiment les pros qui ont envie de se prendre la tête, d'échanger avec Evolve. Mais bon, ici, je sais pas trop, acquisition des données,
Si on peut paramétrer la box, c'est-à-dire résistance du coil, puissance configurable, donc là on peut faire ce qu'on veut, mais si on met verrouillé, on peut c'est une sorte de verrouillage parental, on dit cette box ne peut être vapée à plus de 50 watts. Si on met 50 watts ici, la box elle n'enverra jamais plus de 50 watts. Donc ça peut être intéressant pour certains, je dis pas. Pareil, on peut paramétrer une limite de température, une limite de puff, une limite d'énergie, une limite de durée de vape, et puis on applique un mot de passe. Donc c'est une sorte de contrôle parental ici en fait. Ok? Mais on s'en fout un petit peu. Donc il y aura quatre onglets à voir, quatre onglets très complets. On va commencer par le premier, général. Premier truc qu'on peut faire, c'est récupérer les données, les informations de sa box. Donc on clique dessus, ça mouline un peu. Et donc ça dit trois fois rien, fabricant Evolve, modèle DNA, historique, chipset programmé le 14 juin 2015. Ça peut donner d'autres infos, j'ai vu sur des vidéos, ici ça donne pas d'infos sur Flawless ou quoi. On s'en fout. Restaurer par défaut, bah, évitez de le faire, sauf si vraiment besoin. Et puis donc dans cet onglet général, on a les profils. Profil 1, profil 2, profil 3, profil 4, profil 5, profil 6, profil 7, profil 8, où on peut absolument tout paramétrer, c'est-à-dire lui mettre un nom à ce profil, lui mettre un écran. Personnalité, donc comme je disais, avec un logo de l'atout concerné, une petite phrase à la con, genre vape sur Clearo à 25 watts, enfin on met ce qu'on veut, un nom plus une image, ou on peut se contenter d'un nom, c'est très bien aussi. Sachant que si on a un écran personnalisé, je suis pas sûr qu'on ait le nom qui s'affiche, j'en sais rien. Et puis pour chaque profil, on peut paramétrer plein de choses, donc la puissance de vape, donc 25 watts par défaut, mais on met ce qu'on veut, hein. Je crois que par défaut, c'est 8,5 même par défaut. 8,5 watts sur les profils vierges. Là, j'ai mis 25 watts. C'est-à-dire que quand je passe sur mon profil basique, ça se met tout de suite à 25 watts. C'est genre mon profil basique pour vaper sur Clearo, quoi. Et puis après, je monte les watts sur la box comme j'ai envie. On peut cocher température contrôle ou pas. Donc si c'est un profil pour le contrôle de température, on coche, on change sa température, Fahrenheit ou Celsius au choix. En l'occurrence, ce profil basique est sur off. On peut verrouiller les ohms ou verrouiller la résistance ou pas ici. Et puis on choisit son fil. Donc nickel, ce chipset DNA200 fait le contrôle de température sur nickel par défaut. Tout est paramétré pour nickel. Mais on peut aussi, c'est ça qui est super avec ce chipset, c'est qu'il est ready pour tous les autres fils, pour tous ceux qui s'y connaissent et qui seront capables de créer un profil pour d'autres fils. Tout est là, mais on va parler du nickel pour l'instant. Donc je vais mettre par exemple sur mon profil 3, qui est le profil pour mon Velocity qui est monté en dual coil nickel. Donc je l'ai appelé CT Velocity. J'ai mis une puissance nominale quand je. D'ailleurs c'était 6,6, je ne sais pas pourquoi c'est passé à 6,7. Donc je l'ai paramétré pour qu'il se mette tout de suite à 66,6 parce que de toute façon le Velocity pour marcher comme il faut déjà lui envoyer la sauce, sachant que 66,6 c'est pas assez mais c'est un début. 275 Celsius. J'ai pas verrouillé les locks, les ohms. Et puis nickel 200, puissance de préchauffe. Alors très important, toute la partie pré-heat, c'est-à-dire la puissance que va envoyer le chipset en tout début de puff pour que le coil atteigne tout de suite la température demandée et ensuite régulée. Par défaut, c'est à 200 watts, ça veut dire qu'en début de puff, on a une patate de fou, on se crame la gueule. Je conseille fortement, si on vape en contrôle de température, de modifier sa puissance de préchauffe, pré-heat en anglais, au moins à 100, et voire en dessous, quoi. Ensuite, le pré-heat, on peut lui paramétrer sa puissance, le niveau de préchauffe. Ça, c'est rapport à la température qu'on a demandée, il me semble. Plus on est hard, plus le pré-heat ira se rapprocher de ici, des 275 degrés. Si on met soft, genre le pré-heat ira, je sais pas, je dis un peu au pif, je pense qu'on peut trouver les données quelque part, il fera un pré-heat à 250 degrés Celsius. Donc je crois que c'est là que ça joue, pardon. Je parle trop et je bois pas assez. Et puis la durée du pré-heat, de la préchauffe, une seconde jusqu'à je sais pas combien. Mais j'ai cru remarquer qu'une courte préchauffe, c'est bien. D'ailleurs, je crois que par défaut, c'est une seconde. Donc très important, cette partie pré-heat. Si on est très calé et qu'on veut personnaliser son fil, par défaut, on est en nickel. On a ici la courbe, le profil du fil. Ok, en fonction de sa chauffe, de ses ohms,
Donc ici on a la résistivité électrique et en bas on a la température. Donc ça c'est une courbe préétablie par, par Evolve. Mais on peut, si on sait ce qu'on fait, la modifier. Hein. Ok, alors je vais essayer de pas faire n'importe quoi. Hein. Mais on peut la modifier. On peut également, si on veut, personnaliser. Aller à droite ici, fil personnalisé. Ok, on peut charger. Si on arrive sur le net, on va trouver de plus en plus de profils pour des fils spécifiques. Après, attention, soyez sûr de votre source que le mec qui a fait le profil pour le fil soit calé et que son profil soit nickel. Par exemple, pour un fil titane qui est dangereux, ne chargez pas n'importe quel profil. On peut aussi sauvegarder son profil si on l'a créé soi-même. Label spécial, je sais pas ce que c'est, on s'en fout. Si on clique sur fil personnalisé, ça c'est un lien vers internet, sauf que je vais passer pour le coup sur Mac parce que ce site ne marche pas bien sur mon Windows. D'ailleurs, je suis même pas sûr que ça marche ici. Je vais le chercher en même temps sur mon Mac. C'est un lien vers Steam Engine. Steam Engine, c'est un site dont j'avais déjà parlé il y a quelques temps. Très utile, un espèce de site qui regroupe plein d'outils pour calculer ses ohms, ses coils, les coefficients de chauffe. Il y a une rubrique batterie, il y a une rubrique plein de choses. Et quand on clique sur ce lien, ça envoie normalement, là ça n'a pas marché, mais on s'en fout, directement vers cette page WireWizard, qui est donc une page qui rassemble des infos. Et des courbes, je crois qu'on appelle ça des courbes TCR, mais je suis pas sûr. Température contrôle, R, je sais pas. Et donc là, on peut récupérer, par exemple, il y en a des préenregistrés. A priori, ce site est assez fiable. Donc, au pif, titanium 1. Ok, on a une courbe ici pour le titanium. DNA 200 ici. Hop. Donc, on regarde. Hein. Moi, je vais pas rentrer dans les détails là-dedans parce que ça me parle pas. Mais si on choisit titane. Le gauge ici, etc. Les millimètres du coil. On peut tout paramétrer. Ça nous sort une courbe. Ok, Celsius Fahrenheit. On va sur DNA 200 une fois que c'est fait. Et on fait download TFR table as CSV. Et donc on download cette chose-là. Ok, qui est tout le paramètre pour le DNA 200 avec ce fil tel qu'on l'a paramétré. Et on vient l'injecter en faisant charger. On va chercher ce CSV quelque part, tac, ce qui fait qu'ici on aura maintenant deux profils, le nickel et le titane 1, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ok, donc ça c'est pas mal, on peut vraiment faire ce qu'on veut. Et ce qui est pas mal également, c'est l'analyse d'atomiseur. Si on clique en bas sur le bouton analyse d'atomiseur, iScribe est en mesure d'analyser la stabilité de résistance de votre atomiseur. Donc on voit ici, j'ai replugué mon Velocity, ça me donne 0,72 ohms. Tac tac, ohm nominaux, ohm à froid, température ambiante Fahrenheit, dommage qu'on ne peut pas mettre Celsius ici, qu'on puisse pas mettre Celsius, voilà, température ambiante. Donc il y aurait un sensor de température ambiante sur, sur ce chipset. Et puis on peut décider de locker les ohms à partir de là, ou de les unlocker, ou de les override, je sais pas ce que c'est, override ohm. Donc voilà, et on voit, ça permet également de checker la consistance de son ato en fonction du vissage. Là je l'ai dévissé, si je le visse, là il est vissé correctement mais sans forcer, je suis à 0,064. Si je visse un peu plus fort, 0,062, enfin ouais, c'est bizarre, enfin c'est intéressant. En tout cas, cette partie là n'est pas traduite, mais c'est un outil que je trouve relativement intéressant à voir. Il y a tout un blabla que je vais pas vous lire ici, bref, à regarder, intéressant. Je vais revenir à mes paramètres par défaut. Tac. Ok. Qu'est-ce que j'étais dans les profils toujours? Donc voilà, on peut faire 8 profils totalement différents qui seront donc sélectionnables sur la box. Après avoir laissé enfoncer les boutons moins et plus un moment pour être en power lock. Et en double-cliquant sur plus ou moins pour naviguer entre les profils. Et fire pour valider le profil, etc. Je crois que j'ai fait le tour sur les profils. Sur le général, donc. Ensuite, on a le onglet thème. Alors, c'est dans cet onglet-là qu'on va pouvoir personnaliser ses logos, ses écrans. On voit que par défaut, Flawless avait mis ici Dies Thug Life.
Et je vais aller vous le chercher. Donc je fais charger. Où est-ce que c'est? Bureau. DNA 200 screen. Et flawless. Tac. Par défaut, on a donc l'écran d'accueil. Bienvenue. Welcome premier. Welcome deuxième. Bienvenue. Donc on a d'abord Just Tug Life. Puis on avait flawless. Ok. Moi j'ai gardé Tug Life parce que ça me fait rire. Et j'ai remplacé par. Arrache, va pas l'arrache. Ok. Donc pour créer ces vignettes, c'est très très simple. Moi je le fais sur Photoshop, mais n'importe quel logiciel d'image sur ordi. Il faut des écrans de 128 pixels de large et de 36, 32 pixels de haut en PNG, en JPEG. Je crois que ça prend pas mal de formats. Vous tapez n'importe quel typo de votre choix, votre logo, votre. Il faut que ça soit quand même relativement contrasté, hein. Les choses fines ne passeront pas très bien sur un écran OLED pixel à gros pixels. Mais pour le coup, ça passe pas trop mal. J'ai également mis mes logos arrache ici. Donc il faut quand même quelque chose d'assez net et d'assez contrasté. On peut également faire l'inverse en négatif, c'est-à-dire mettre le blanc autour et la vape à l'arrache en noir. Ce qui fait que ça ferait un écran beaucoup plus lumineux, ça marche. Il paraît que ça prend les couleurs, mais que c'est dégueulasse le rendu, j'ai pas essayé, je m'en tape un petit peu. Donc personnellement, le logo Flawless, si je l'avais pas sauvegardé en tout premier lieu avant de modifier, en fait j'ai téléchargé ce logo, je l'ai dupliqué pour faire mes logos. Et puis par la suite j'ai bidouillé et j'ai fait, je sais plus, j'ai fait thème par défaut. Et si je fais thème par défaut, on va voir tout de suite, j'avais un écran vide, j'avais plus mon flawless. Donc thème par défaut, c'est pas le thème que le modeur a mis dans la box, c'est le thème par défaut d'Evolve, quoi, du DNA en lui-même. Ok. Donc c'est pour ça que je conseille vraiment de faire une sauvegarde en tout premier lieu, une sauvegarde générale. Donc à chaque fois, pour revenir à mes paramètres à moi, je refais. De se connecter, même si je suis déjà et télécharger les paramètres. Okay. Donc, ici on peut faire tout un tas de choses. Le premier écran d'accueil, on peut choisir le combien de secondes il reste allumé ici. Le second écran d'accueil également, j'ai mis 5 secondes. Ensuite, on a tous les trucs normal mode, stills mode, new coil, yes, no, plus, moins. Alors, intéressant, celui-là aussi on peut le personnaliser, on peut faire un petit truc design à son goût. Et en plus, avec ça, on perd. Alors, cacher les ohms, montrer les ohms. Cacher les ohms, montrer les ohms. Je crois que, vous voyez, sur cet écran, il affiche 0,33, 0,29. Donc, ancien coil, nouveau coil, leur valeur. Si on crée une image personnalisée ici, on peut jouer sur les paramètres, sur les coordonnées x, y des chiffres pour qu'ils s'intègrent au bon endroit dans l'écran par rapport à son propre design qu'on va faire. Donc en mettant plus de x, il va se déplacer vers la droite. Plus d'y, c'est de haut en bas. Et si on a fait un design, je sais pas, plus vers la gauche avec un gros new coil et qu'on veut yes, no comme ça et les chiffres tout à droite, et ben il faudra jouer avec ces x et y pour que ça soit affiché au bon endroit en fonction de son design. C'est ce que j'ai cru comprendre. Hold to lock home, hold to unlock home, on s'en fout, power. Alors là, ça c'est l'écran que j'ai remplacé ici, c'est verrouillé 5 clics. Verrouiller 5 clics, sauf qu'on peut choisir le nombre de clics ici. Donc moi j'ai mis 3 clics. Voilà. Quantal max power, ça c'est parce que comme un peu comme le contrôle parental, on peut paramétrer les watts maximum qu'on pourra vaper en quantal. On peut montrer ou pas ce message si on a envie. Température protected qui perturbe, comme je disais tout à l'heure, pas mal de gens, on peut décider de montrer la température à la place de cette température protected ou de ne pas montrer rien du tout. Ok. De toute façon, c'est vrai que ce message est perturbant et ne sert pas à grand-chose, quoi. Too hot. Enfin, on peut tous donc capturer ce qu'il y a à l'écran actuellement, charger sa création, sauvegarder par défaut. Tac, tac, tac. Ok. Shorted. Check atomizer. Ohms too low. Ohms too high. Check battery. Weak battery. Inbalance battery. Ça, c'est un message d'erreur s'il y a un problème entre les trois cellules. Retourne to researcher, j'ai aucune idée de ce que c'est. Okay. Et à noter que sur la version de Bussardo, donc qui est une bêta, sur cet onglet-là, en dessous, là, à la place des mentions légales, on aura quelques champs à modifier pour la vitesse d'incrément des réglages de watts et la vitesse de défilement et l'incrémentation 0,5, 1 watt à chaque clic sur plus ou moins, quoi. Donc voilà pour ce, on va dire.
onglet. Sauf qu'une fois qu'on a créé son écran personnalisé, qu'on a remplacé les images, mis ses logos, fait son boui-boui, eh bien, surtout, sauver le thème. Donc, sauver le thème, c'est pareil qu'un peu sauvegarder tout Iscrib, mais ici, on sauvegarde que le thème et ça fait un fichier icthème dans l'ordi. Donc, on appelle thème arrache. Quand je suis content, je le save et je pourrais le réinjecter en faisant charger le thème. Quand je veux, quoi, en cas de souci, en cas de besoin, en cas de. Si on veut envoyer un thème à quelqu'un, on a un thème super sympa avec tous les écrans qui ont été faits dans un style, on veut le faire passer à quelqu'un, on le sauvegarde, le mec l'importe dans sa box, bim, c'est fait. Ça, c'est sympa. Il y a plus en plus de forums, je pense, de sites qui vont proposer des thèmes tout faits, donc des écrans personnalisés, sympathiques. Donc, ça, c'est plutôt super cool. C'est un peu geek, mais c'est sympa. Donc voilà pour le onglet thème. Ensuite, onglet écran. Intéressant cet onglet écran. Donc c'est là qu'on va régler ce qui s'affiche à l'écran notamment, mais pas que. C'est là qu'on règle également l'orientation de l'écran gauche-droite. Ok, donc si je veux changer l'orientation, je fais droite et j'envoie toujours les paramètres vers le chipset, sinon ça ne le prend pas en compte. Ok, donc gauche-droite. D'ailleurs, moi je vais le mettre en droite parce que je l'ai modifié tout à l'heure pour filmer, mais maintenant c'est bon. Je crois. Ceci dit, ouais, non, ça doit être bon. Donc, quand on envoie, on a une petite barre de progression, ça envoie vers le chipset. Indicateur de batterie, bah ça, c'est le petit dessin de batterie sur la gauche. On peut le mettre soit sur les écrans par défaut, soit sur l'écran principal seulement, soit sur tous les écrans, y compris nos créations personnelles. Ça le rajoutera en plus sur nos petites créations sur la gauche, quoi. Donc, on s'en fout un petit peu. Message d'erreur. Quand on a un message d'erreur, ça, c'est le nombre de clignotements, je crois. Le message d'erreur clignote, je crois. Ou alors c'est des secondes, mais je crois que c'est plutôt les clignotements. Et ça, je sais pas trop. Montrer seulement l'erreur. On peut choisir comment s'affichent les erreurs. Je sais pas trop ce que ça change. J'ai pas retenu cette info. Mais on s'en fout. Ce qui est plus intéressant sur cet onglet, ce sont les champs. Donc là, les trois champs, par défaut 1, par défaut 2, par défaut 3, c'est ce qu'affichera l'écran du DNA. À côté de la petite batterie, de la petite icône de batterie, entre l'icône de batterie et les watts en gros. Donc le premier champ, le deuxième champ, le troisième champ, et ici à droite, ce sont les trois champs en chargement comme je vous ai montré. Moi j'ai mis l'ampérage USB pour voir à combien je chargeais parce que ça m'intéressait. Ici j'ai mis ensemble de batterie, c'est-à-dire la charge en volts de la lipo à son complet. Et puis en bas, la charge, le pourcentage de charge de batterie. On peut vraiment choisir tout ce qu'on veut, que ce soit à gauche ou à droite, on a les mêmes choix, je crois. Et donc on peut choisir, donc standard, c'est ce qui est par standard quand on achète un DNA 200, le chipset. Les ohms, la tension, les volts, la température, la charge de batterie en pourcent, la charge de batterie en watts, la puissance de l'USB, l'ampérage de l'USB, la tension de l'USB, l'ensemble batterie, la cellule 1, la cellule 2, la cellule 3, l'ampérage, descend. Ampérage, température du chipset, température de la pièce, compteur de puff, dernière énergie, dernière puissance, dernière température, dernière durée, on s'en fout. En tout cas, on met ce qu'on veut en 1, 2 ou 3. Ça, c'est super sympa quand même. Parce que y a des choses dont on se fout et qu'on ne pouvait pas virer avant. Et donc, pareil, une fois qu'on a changé, on envoie les paramètres vers le chipset. Okay? Très intéressant. Ensuite, on a la luminosité. Donc là, j'ai baissé pour filmer tout à l'heure à 50% les deux, là, luminosité active. Je vais remettre, moi j'avais mis, par défaut, c'est à 100%. Je vais remettre à 75%. J'ai baissé ça à 75% pour, je me dis que ça économise peut-être un petit peu d'énergie. Je vais rebalancer ça vers mon chipset. Toujours, dès que je fais une modif qui m'intéresse et que je veux conserver, je balance vers mon chipset. Tac, c'est parti. Donc qu'est-ce qu'on a? La luminosité pendant le fire. Alors augmenter jusqu'à 75% du coup. Fixer temporairement à. Ouais, on a des histoires de fade, pas fade. On s'en fout un petit peu. Vous pouvez, ça, c'est des petites notes. C'est pas grand-chose quoi. C'est des petits détails. Ne pas changer. Bon, ok, on choisit ce qu'on veut. Donc en faisant augmenter jusqu'à 75% quand je fire et qu'elle est en veille donc éteinte. Quand je vais firer, ça va pas tout de suite balancer à 75% de luminosité, ça va monter progressivement en petit fade, je crois que c'est ça. Écran actif après une puff. Ça, c'est ce qui se passe une fois qu'on a envoyé une puff. Est-ce que dès qu'on relâche le bouton fire,
Ça, alors pareil, écran inactif après une puff, aucun effet en repos. Bref, des petits réglages à la con d'esthétique. Luminosité active 75, luminosité au repos 50, je l'ai baissé également. Pendant chargement, j'ai mis 40, je l'ai baissé aussi. Je pourrais même baisser encore un peu, ça reste très visible. Et puis là, tous des petits détails de durée d'activation, 6 secondes, durée de repos, 6 secondes, durée du fade in, durée du fade out. Enfin, c'est un petit peu too much à ce niveau-là, mais c'est sympa de pouvoir faire quand même ce genre de choses. Ça, rien de primordial, quoi. Et on va passer sur le dernier onglet, l'onglet mode. Alors attention, très important. Donc ici, on va retrouver la batterie, type de batterie. Donc en l'occurrence, on est en lithium polymère LiPo. LiPo4, je ne sais pas ce que c'est. Alimentation, on s'en fout, j'y connais rien. A priori, pour l'instant, toutes les box en DNA200 sont en LiPo. Elles sont en trois cellules, a priori. Hein. En tout cas, la mienne, oui. Ici, par défaut, c'est ici ce chiffre dont je parlais en début de vidéo, enfin, à propos de l'autonomie et de la qualité de la jauge d'AQ sur l'écran. Par défaut, le modeur avait négligemment laissé 9 watt-heure. Et pas mal de gens à qui j'ai parlé avaient également 9 watt-heure. Okay? Ce qui était incorrect et ce qui faisait que ma jauge baissait très 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 vite. Ok, donc déjà en dessous, on a un petit calculateur qui permet de faire en vite fait. Connaissez-vous le voltage total de vos batteries? C'est généralement inscrit dessus. Yes. Si tu mets 11,1, capacité de la cellule en mât, on va mettre 120, 900, donc, non, 1200 pour moi, pardon. Je dis n'importe quoi. 1200. Et la tension nominale, 11,1. On est d'accord jusque-là? Je retiens mon 1278 parce que hop, on fait OK. Et il va en déduire 1332. Donc lui, c'est pas mal d'ailleurs, 1332, c'est que c'est équivalent à mon calcul de water de tout à l'heure. Donc c'est très bien. Utilisez cette valeur. Faites yes. Faites ça au moins. Calculateur. Hop. Et faites yes. Et si vous faites yes, 1278, il me met 1332 water. Et là, du coup, vous envoyez vers le chipset et du coup votre jauge sera beaucoup plus honnête en tout cas sur ce qui se passe dans votre mode au niveau de la décharge. Et vous gagnerez nettement, en tout cas au moins psychologiquement, sur l'autonomie, car la valve baissera beaucoup, la jauge baissera beaucoup moins vite qu'avec les 9 watts par défaut. Donc ça c'est très très important à faire. Moi je vais remettre mes 12,78, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que, ouais, non, mais c'est même pas la peine, je vais refaire télécharger mes trucs. Mais faites-le au moins par calculateur si vous voulez pas vous faire chier, mais il y a un autre moyen de le faire, je vais vous montrer. Ensuite, on a la tension de coupure, ça c'est quand la batterie cut et doit être rechargée. Par défaut, c'est à 3,09. Je l'avais descendu à 3 volts en me disant que 0,09 c'était rien et j'allais gagner un poil en autonomie. Qui m'a dit de, je sais plus, de le laisser à 3,9? Je sais que certains la montent à 3,2, enfin tout ça. Je pense que 3,9 c'est bien, on peut laisser à 3,9. Ici on a le mode de chargement. Alors on peut maximiser les puffs ou maximiser les recharges. J'ai pas trop compris l'idée. A priori, maximiser les puffs, j'imagine que la recharge est un peu plus rapide. Et maximiser les recharges, je pense que la recharge est un peu plus complète. Par défaut, c'était sur puff, j'ai mis recharge. Voilà, faites un peu comme vous voulez, je crois que ça n'a pas grande importance. Ici, on a la courbe de décharge de votre AQ. Alors, je vais dézoomer un peu. Ok, qui par défaut a été mis, a priori, par le modeur. Mais vu que le chiffre ici en water était erroné, je me demande s'ils n'ont pas laissé une courbe par défaut. Enfin, j'en sais rien. Profil de décharge, donc voltage de cellule ici et niveau de charge ici. Donc on voit que la courbe de décharge de ces lipos est assez flat, assez plate. On a une longue plage ici. Alors, je n'ai pas trop étudié la question, je dois bien avouer. Quoi correspondent 64, 0, 3, 89, 3, 83. Je ne sais pas trop. Qu'est-ce que dit la légende? Volt. Bon, allez, pro, 12, voilà, 12, 78 watts. Ok. Et alors, franchement, je comprends que dalle. Et puis, hein, je m'en tape un petit peu. 4,20. Là, il met 4,20 volts. Pourquoi il met 4,20 alors qu'on est en 11,1? Je ne sais pas. 4,2 alors qu'on est en 12,6, même en max. Et là, il met 100. En bref, on s'en fout. Je comprends rien. Et j'ai pas envie de me prendre la tête.
Par contre, si on veut optimiser, donc le calculateur, on a vu, il me met un water pas mal, il m'a mis 13,32, ce qui est le calcul bête et méchant. C'est correct et ça va améliorer votre jauge. Mais pour faire un truc parfait, et si vous avez envie de faire chier, vous avez un bouton ici, analyse de batterie. E-Script peut analyser la capacité de votre batterie et son fil de et son profil de décharge. On fait analyse de la batterie, qu'est-ce qu'il dit? Cet outil analysera la capacité de la capacité et le profil de décharge de votre accu. Soyez sûr que votre batterie commence le test à pleine charge. Okay? Donc on recharge à fond sa box. À brancher un coil, on va dire, capable de chauffer, de supporter la chauffe du test, le wattage de test que vous aurez choisi, 40 watts. Est un test raisonnable et représentatif. Je traduis vraiment vite fait. Et le test va shooter jusqu'à ce que la batterie soit pleine. Alors on fait OK. À quelle puissance vous voulez faire le test? J'ai laissé 40 watts. Personnellement, je l'ai fait. Il est conseillé de faire un coil à 1 ohm. Alors on va faire un petit cut et je vais vous montrer ce que j'ai fait. Yes, les Vapers. Donc ce que j'ai fait, ce qui est conseillé apparemment de faire, j'ai vu ça sur le forum DNA200 en France sur Facebook. C'est faire un coil à 1 ohm, donc j'ai pris un gros Cantal 0,40 ou 0,50. Il faut quand même un Cantal qui va supporter d'être fireé régulièrement pendant une bonne heure ou deux jusqu'à décharge complète de l'accu. J'ai fait en sorte qu'il aille à 1 ohm. Alors, est-ce que c'est 1 ohm ça? Je suis pas sûr que j'ai contact là. J'ai pas de contact, mais on s'en fout. Je vais vous faire voir sur la box. Ah oui, parce que j'ai mis une petite rondelle isolante entre les deux, puisque ça va quand même chauffer pendant un moment. Hein, ok. Même si 40 watts, c'est pas la folie. J'ai fait ça sur le Twisted Messies. Je suis à 0,96 ohms. Et donc, on fait un coil pas loin de l'ohm, comme ça. On fait attention parce qu'on va poser sa box et ça va firer. Je sais plus si c'est toutes les 10 ou 15 secondes, pendant 10 secondes en gros. Donc le fil va rougir, attention de ne pas foutre le feu chez vous quand vous faites ça. Ça dure environ une heure pour la 1200, peut-être ça dure 2 heures pour des capacités un peu plus importantes. Et donc ça va firer quelques secondes, pas 10 secondes je pense. Et puis ça éteint. Et puis ça recommence. Jusqu'à décharge complète de la queue, et il faut vraiment partir de la queue pleine. D'ailleurs, si on lance le test et qu'elle n'est pas pleine, le test se lancera pas. Ça continue de charger jusqu'à ce que ça soit plein. Donc, je conseille de la charger d'abord à bloc sur secteur à 1 ampère, puis de la plugger au logiciel et de faire ce test. Ok, et on a des courbes en temps réel du coup à l'écran. Quand on fait ce test, on voit les fire, les temps de pause, les fire, les temps de pause, la courbe de décharge qui baisse au fur et à mesure, etc. C'est pas passionnant, mais c'est, à mon avis, c'est assez primordial à faire. Même si le calculateur par défaut est pas mal, on a vu que le calculateur m'a sorti en water 13,32 et que moi j'ai calculé avec ce test 12,78. Donc le calculateur il nous cesse 13,32 par défaut avec un calcul bêtement mathématique. Et ce test là donne une réalité quoi. Avec un vrai test en conditions réelles. Donc c'est assez intéressant. On va repasser sur le logiciel. Yes, donc nous revoilà sur E-Script. Vous avez vu, donc une fois ce test passé, vous aurez une fenêtre de résultats et vous ferez accepter. Et en faisant accepter, ça va mettre le bon chiffre ici. Je vais pas récupérer mes données. Ok, j'ai un petit bug là. Je vais dépluguer ça. Pardon. Hop, je replug. Est-ce qu'il va vouloir me le prendre? Ok. Ouais, des fois il veut pas prendre la box, tu la débranches, tu la rebranches, c'est bon. Donc une fois le test fini, passé, vous faites accepter, ça remplace le chiffre, ça va mettre le chiffre du résultat ici, 12,78 au lieu de 13,32, et ça va mettre ici la bonne courbe, en tout cas la courbe temps réel et pas cette courbe qui sort de je ne sais où. Donc voilà, en tout cas moi depuis que j'ai fait ça, je pense que 13,32 ça aurait été très bien également. J'ai vraiment une excellente meilleure impression d'autonomie quoi. Donc ça me paraît un des tout premiers trucs à faire. Ok. En dessous, on va enchaîner parce que disons ça dure. Hein. En dessous, on a quoi? Analyse, on a vu. Électrique. Alors électrique, c'est là qu'on peut mettre la puissance limite en Cantal par défaut de 200 watts.
Si vous mettez 100 watts, vous ne pourrez jamais firer à plus de 100 watts en cantal. Même si vous pourrez régler à 200 watts, quand vous shooterez, il marquera le message, il marquera le message qu'on a vu dans les thèmes, c'est-à-dire cantal max power ici. Ok, donc ça c'est pas mal pour limiter, éviter de se cramer la gueule en cantal. Sachant que les 200 watts, eux, on les garde pour le contrôle de température parce que ça peut être intéressant. Résistance du mode. Alors ça, c'est la résistance interne du mode, du boîtier, j'imagine, qui peut avoir une incidence sur l'autonomie de la queue, j'imagine, et sur la queue, sur le sérieux et la merde, comment dire, en contrôle de température. Ça peut avoir une incidence sur la qualité du contrôle de température. Ça, pareil, il y a des box où les modeurs le remplissent, c'est-à-dire qu'ils ont calculé la résistivité de leur mode. Flawless l'a rien mis. Je pense pas que ça change énormément de choses, mais en tout cas, ça existe. Ensuite, on a la plage de verrouillage de home. Donc, c'est là qu'on règle les 25%. Donc, je disais que le DNA, la box demande new coil, same coil, si la différence est inférieure à 25%. Donc on peut régler ça également, je vois pas trop l'intérêt. A priori, si on met 100%, il demandera jamais new coil, same coil, un truc comme ça. Donc voilà, mécanique. Alors ça c'est marrant, on peut choisir d'inverser les boutons plus moins, sachant que sur la Thug Life les boutons sont gravés moins et plus. Donc si je fais inverser, quand je cliquerai sur le moins ça fera plus, et quand je cliquerai sur le plus ça fera moins. Mais ça peut être intéressant pour certaines box. Qu'est-ce qu'on a encore en dessous? Thermique. Alors tout ça c'est des données que vous n'avez pas à toucher, franchement pareil, c'est constante du temps de refroidissement de la box, constante de temps de chauffe, température de charge USB atteinte, j'y comprends que dalle, température ambiante minimum, température ambiante maximum, pareil, tout ça, ça doit influencer sur le contrôle de température. Je sais pas si les modeurs font tous attention à ça, en tout cas ces données sont différentes selon les box dans les revues que j'ai vues. J'imagine que si on habite au pôle Nord, moins 20 Fahrenheit, c'est pas suffisant. Enfin bref, ça doit avoir une incidence quelconque. Pour nos contrées, a priori, on s'en branle pas mal, mais il faut voir, à étudier. Et on peut faire une analyse thermique, problème thermique lors du chargement. Alors je sais pas trop à quoi ça sert. Qu'est-ce qu'il dit? This tool will analyze the thermal response of your case to varying USB charging rate. Ouais, il va analyser la chaleur du boîtier de la box en fonction de puissance de charge différente via USB. Soyez assuré que votre appareil soit chargé à un quart voire à la moitié et dans des conditions de température normales. Bref, je vois pas trop, je sais pas trop à quoi ça sert. Je vais pas le faire. Donc voilà pour cet onglet mode, et puis je crois qu'on a quasiment terminé, si ce n'est le fameux moniteur système. Alors Monitor System là-haut, en anglais je crois que c'est Device Monitor. Monitoring du mode, donc en temps réel, on peut afficher tout un tas de données sous forme de courbe. Donc la charge, la charge totale de la LiPo, la puissance USB, l'ampérage USB, la tension USB, l'ensemble LiPo ici à 12 volts, cellules une par une, 1, 2, 3, donc on voit elles sont les 4 à 4 volts, c'est très bien. Et on peut, alors ça c'est tout ce qui concerne la batterie, et en dessous on a tout ce qui concerne la vape. On voit la courbe ici, donc ça c'est les 12 volts de charge de mon ensemble LiPo. Si je mets cellule 1, cellule 2, cellule 3, on va voir que ça rajoute 3 courbes, mais bon, elles sont l'une sur l'autre, les 3 courbes, donc on voit rien. J'ai pas réussi à changer l'échelle d'écartement entre les courbes, ça me pose problème sur certains trucs. Et en dessous, la puff, donc la puissance, qui s'affiche que quand on fire. La puissance paramétrée, ici 76,7, je ne sais pas pourquoi je suis pas à 66,6. La température pour le contrôle de temp, la température paramétrée maximum, 275. L'ampérage, la tension, les ohms à froid, les ohms en live, la température du chipset, la température ambiante. On peut cocher ce qu'on veut et faire du coup des courbes. Donc par exemple, je vais mettre la température paramétrée, la puissance paramétrée, la puissance envoyée. Et puis la tension, non, pas trop polluée. Vous voyez, mes deux courbes là, rouge et verte, sont assez collées quoi. Et j'ai vu des vidéos où elles étaient plus écartées. Enfin bon, j'ai pas trouvé, on doit pouvoir changer l'échelle. J'en sais rien. Et puis en bas, on a tout ce qui est statistique.
statistiques, les puffs, la protection de température depuis le dernier reset, donc le nombre de puffs total depuis le début, etc. En dessous, on a l'énergie, puissance, température, durée. Mode puissance verrouillé, ok. Dernier puff, significatif, standard, total, significatif, standard. Je comprends pas tout là-dedans. Je m'en tape un peu. On peut enregistrer ces courbes. Option de graphe, c'est là-dedans. J'ai regardé si je pouvais pas changer les échelles. J'ai pas trouvé. Sauvegarder le graphe, configurer l'échelle de temps. Mais c'est pas ça. J'ai regardé, c'est pas ça a priori. Échelle de temps en secondes. Non, c'est pas ça, ça. C'est la vitesse de défilement des courbes. Donc j'ai pas trouvé les puffs. Donc on peut. Merde. Alors je vais faire autrement là. Ah, salopin. Puff. Alors on peut lancer une puff sans firer d'une seconde. Donc je vais visser de ce pas mon Velocity. Tac, il est vissé. Je vais lancer une puff juste une seconde, voir si ça marche. Hop, ça fire. Hop, et alors on voit tout. Donc 275, la ligne rouge là, c'est ma limite haute de température que j'ai réglée. 66,7, c'est les watts que j'ai paramétré. La courbe verte ici, c'est la puissance que j'envoie, donc avec le pic de pré-hit vert ici, qui monte d'un coup et qui après est lisse, confondu avec la ligne de 66,7. Le rouge, c'est la température qui monte de 0. Voilà. Donc on peut lancer une puff aussi en firant sur le mode. Ok. Et là, on voit que j'ai besoin de jus a priori. Parce que on voit que la température est atteinte très vite et que la puissance baisse très vite. Si je rajoute du jus dans mon dripper. On voit tout de suite que je reste en deçà de mes 275, que pour les atteindre, faut vraiment. Et d'ailleurs, je les atteins pas. Je me suis fait chier à régler ce profil. Je pense qu'il est pas mal. Et donc, on a le pic ici de pré-hit. Et ensuite, on est bien, bien lisse. Bien un signal DNA. Hein. Il n'y a rien à dire, ce chipset. C'est une tuerie. Et là-haut, on voit que la batterie, elle encaisse un peu pendant le pré-hit. Elle encaisse vachement. Puis, elle encaisse un peu tout du long. Et puis, elle remonte doucement, gentiment. Sauf qu'elle était à 11,95 après puff. Et on peut pas, ouais, on peut pas avoir les données sur un point précis, ce que disait Bussardo, c'est vrai que c'est un peu chiant. Par exemple, quand je fais ça, là, j'aurais bien aimé pouvoir mettre ma souris là, sur un point, et savoir à combien j'ai envoyé, quoi. Bon, tout ça sera amené à avoir des mises à jour, etc. Donc je vais pas m'épancher plus sur ce machin-là. On peut configurer ici les puffs, on peut configurer la puissance à laquelle ça va puffer. La température également, diagnostic, je sais pas, on s'en fout. Enfin, c'est une espèce d'oscilloscope intégré dans le logiciel eScript, ce qui est quand même super top, quoi. Donc voilà, c'est une fenêtre qui vient s'ouvrir par-dessus eScript, et on peut pas revenir derrière sur eScript sans fermer, ça c'est un peu chiant également. Plusieurs fois, je me suis fait « U ». Réinitialiser, diagnostic, c'est quoi? Configurer le profil. Oh, on peut faire configurer la limite d'ampérage, avancer, d'effectuer un chargement. Enfin bref, on peut faire tout un tas de machins. Franchement, ça sera pas de toute première utilité, mais ça peut être intéressant pour pas mal de gens qui s'intéressent à ces courbes, à comment fonctionne un signal, comment fonctionne le contrôle de température. D'ailleurs, vaut mieux faire les tests de courbe en vapant vraiment, puisque si on ne va pas, on n'aspire pas d'air, on refroidit pas le coil avec l'airflow, donc les courbes sont faussées, quoi. Bon, ça reste amusant 5 minutes, hein. Mais pour paramétrer un profil, c'est sympa. On vape en même temps, on regarde, on voit si cette courbe rouge atteint la courbe rouge de limite, si la courbe verte clair descend rapidement, c'est que on a paramétré une température trop basse ou une puissance trop forte, ou que effectivement c'est correct et qu'on doit redripper, quoi. Ça c'est pas mal pour bien peaufiner son profil, entre autres, hein. Je pense qu'il y a pas mal d'autres utilités à ce truc là par exemple. C'est quand même marrant de voir
les volts de la lipo qui font un sacré pic vers le bas pendant le boost et qui remontent gentiment quoi. Et là par exemple je suis à 11,93. Je tire une puff, 11,90, 11,91, ça remonte doucement. 11,92. Ça peut être intéressant franchement, moi ça me fait assez kiffer quand même. Tension USB on s'en fout. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les ampérages en jaune, alors c'est où les ampérages? La courbe jaune ici qu'on voit pas très bien. Bref, c'est à étudier, hein. Tension. Ouais, j'ai un problème, mes courbes sont toutes confondues là. C'est pas normal. J'ai vu des vidéos où c'était pas comme ça. Je comprends pas bien. Si quelqu'un a la solution pour m'écarter mes courbes, je ne comprends pas. Home à froid, home en live. Home en live. Home à froid, 0,062. Donc ça, c'est correct. Et on voit que quand un coil en nickel chauffe, il gagne en. Et ohm monte quoi. Par contre, on les revoit pas rebaisser en temps réel, ce qui est un peu dommage. Voilà quoi, je quitte ça. Device monitor. Qu'est-ce que j'aurais pu oublier? Mais je crois que c'est tout, hein. Ça a été assez complet. Déconnexion, on s'en fout. Moi, comme je disais, si je fais déconnexion. Ouais, ça déconnecte le. Ok. Ça déconnecte le mode. Bon, voilà. Très très bien. Je pense qu'on a fait le tour. Je vais quitter tout ça. Je vais quitter avec grand plaisir Windows. Et je vais revenir sur mon fond d'écran. Par défaut. Bref, je ferai ça hors caméra. Là, j'ai scotché du scotch sur mon écran pour délimiter la zone de shoot, etc. Je vous raconte pas le merdier. On repasse sur ma face. Où sont mes images? Bref. Allez, c'est reparti. Ouh, les vapors. J'en peux plus, j'ai la gorge cassée. Je pense que j'ai fait un tour plus ou moins exhaustif. Pas forcément parfait, sûrement pas mal de conneries, j'en m'en excuse. Ce que je dis, je le pense vraiment. Je le dis comme j'ai cru le comprendre. Encore une fois, n'hésitez pas à en parler, à me demander en MP ou sous cette vidéo, mais plutôt en MP sur Facebook ou même par mail, si vous avez besoin de plus amples informations. En tout cas, je crois que Evolve, sur ce coup, a fait un chipset qui dépasse toute la concurrence. Avec ces courbes, avec ce device monitor, j'ai réussi là à me faire un petit profil de contrôle de température qui marche excessivement bien sur mon Velocity en dual coil qui commence à avoir bien servi quand même. Plutôt bien quoi, je sens nettement la baisse, je redrip, j'ai mis un dry, je suis très bien. J'ai mis ce petit boost qui me va bien en début de puff. 200 watts en pré-heat, franchement, éviter, c'est juste abusé. Après, il y a sûrement des coils. Ce pré-heat, il est prévu pour les gros dual coils, les fused Clapton, les Clapton coils, les trucs de dingo, qui ont un temps de chauffe très très long. Du coup, on doit faire des puffs de 10 secondes pour atteindre la température. Alors qu'avec le pré-heat, pim, on y est tout de suite, plus ou moins, hein, en fonction du hard à soft, là, vous avez vu. Faudrait que vous trouverez les données. Si on est à hard, ça va aller jusqu'à la. Je crois que c'est même pas à 100% la température paramétrée, mais un peu en dessous. Ou je sais plus, je sais plus. Enfin, il y a un truc comme ça. En tout cas, pas mal le pré-heat. Par contre, le premier jour que je l'ai eu, j'ai mis dessus un Clyro en Cantal et j'étais en contrôle de température. J'ai pas fait gaffe, j'étais tellement pressé. J'ai shooté et j'ai eu le pré-heat de 200 watts sur du Cantal, quoi. Je peux dire que ma gorge s'en est rappelée un petit moment. Excellente vape. Sinon, la box, j'ai rien à lui reprocher. Très très belle. Très agréable en main. J'aime beaucoup le Cerakote. Pas de soucis. Les gravures. Je suis assez fan de Flawless. Donc, il n'y a pas de, y a pas de, y a pas de mystère. L'écran, les boutons. Tout est très très bien. Franchement.
superbe objet quoi. Donc au niveau de la taille, j'ai pas trop comparé. Donc avec l'Exome, c'est plus petit et beaucoup plus léger qu'une Exome, mais c'est impressionnant d'ailleurs. Même si c'est que 50 grammes en gros, je sais plus, 30, 40 grammes, 50 grammes. C'est beaucoup plus agréable en main, même si l'Exome, je la lâche pas non plus. À côté de cette merde, la X-Cube, là, qui est juste monstrueuse, rien à voir, quoi. Hein. Tant au poids qu'à la sensation en main. À côté de, par exemple, la Mustang M1, on est sensiblement dans le même délire pour qui ça parle. On est sensiblement dans le même esprit à tous les niveaux. À côté de ce qui parlera peut-être plus, une RDNA 40. Niveau épaisseur, on est dans le même délire. Niveau hauteur, vous voyez, on est quand même bien plus haut. Niveau épaisseur, pareil. Niveau largeur, un poil plus large, mais pas grand-chose. Donc ça reste quand même très contenu, hein. Évidemment, les lipos, contrairement à nos accus, plus on a de MAH, de MA ou en l'occurrence de water, plus la lipo sera grosse et épaisse. Donc, il y a des box DNA 200 avec des lipos à 1800 MA, même plus, je crois, mais elles sont plus grosses forcément. Et il y en a à 900 MA qui sont plus petites. Donc voilà. J'en attends une de 900 MA d'ailleurs en début de semaine. J'ai hâte. En tout cas, merci beaucoup, la licorne. Excellent. Merci encore une fois. Excellent. Précommande en ce moment. Je crois que ça arrive là. En plus, il doit rester quelques pièces à précommander, sachant que de toute façon, il y aura d'autres réassorts. Hein. À 219€ chez la licorne. Alors évidemment, ça a un prix. Hein. DNA 200. Déjà, le chipset en wholesale, je crois qu'il est en gros hein, entre 60 et 80 dollars, je crois. Donc, il n'est pas donné ce chipset. Après, derrière, il y a tout le boîtier, la conception, le Siracote et compagnie. 219€, c'est correct, sachant qu'on la trouve ailleurs, la même box, sur tous les autres shops que j'ai fait, on la trouve à 239€, donc allez chez la licorne, je peux pas dire mieux. Hein. Désolé les mecs, mais je peux pas dire mieux, 219, c'est très correct. Je crois qu'elle est garantie à vie, j'ai pas dit, un peu dans le même délire que la Exome. Je crois que le gars de Flawless a dit ça à Bertrand pendant le Vape Expo. Garantie à vie, je sais pas si je pense que c'est chipset, boîtier, et je crois même que c'est la Q, mais ça m'étonne puisque une lipo garantie à vie c'est bizarre. En tout cas, il faudra renvoyer aux States, etc. Mais en tout cas, il y a quand même une histoire de garantie sur cette box à confirmer. Donc, merci à Licorne, merci à Raphaël Sbinvap sur YouTube et Raphaël sur Facebook qui a créé ce groupe DNA 200 France, très très bien, mine d'informations. Discussions diverses et variées. Très sympa, Raphaël. Merci à toi pour la traduction en français exceptionnelle de Iscribe. Excellent. Je mettrai également les liens vers Evolve pour télécharger Iscribe sous cette vidéo. Le lien vers donc ce groupe Facebook. Le lien vers la chaîne de YouTube de Raphaël. Le lien vers la licorne, comme d'habitude. Et sur ce, je vous dis super content d'avoir fini cette vidéo. Qui, pour être honnête, me stressait pas mal. Ça fait un moment que je la recule de jour en jour. Je suis trop content qu'elle soit faite. Pardon à tous les autres qui attendent des reviews. J'étais un peu en stand-by. Je vais reprendre le boulot semaine prochaine, donc je vais essayer d'en faire d'autres. Mais ça va être un peu plus calme le mois à venir. Donc voilà, c'est comme ça. Reviewer, c'est pas un job, ça rapporte rien. Enfin, ça rapporte un peu de matos, c'est quand même sympa. Mais voilà quoi, ça demande vraiment beaucoup d'investissement et de temps. Et en parlant de temps, j'arrête de prendre le vôtre. Je vous dis merci beaucoup à ceux qui sont allés au bout. Je pense pas que vous serez nombreux. J'espère vous avoir été utile et je vous dis à ciao, bye bye. Allez, bonne vape. Like, ugh.